Bienvenue à tous dans ce flash. Il y a eu un conseil des ministres extraordinaire hier au palais de la présidence. Décision majeure, l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable au volant. Objectif, réduire le nombre d'accidents de la route. Les contrevenants devront payer une amende de 10 000 francs CFA. Le décret a pris effet depuis hier vendredi, date de sa signature. Le président Alassane Ouattara se rend aujourd'hui à Zouédrou, localité située à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. C'est dans le cadre du conclave du Grand Ouest, une rencontre pour parler de la situation sécuritaire dans les zones frontalières et l'implication des communautés dans le rétablissement de la paix. Alvar Assa pour plus de détails. C'est une rencontre importante pour la sécurisation de la frontière ouest de la Côte d'Ivoire qui va se tenir ce samedi à Zouédrou, localité située à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Cette rencontre dite conclave du Grand Ouest sera l'occasion pour les autorités ivoiriennes, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, de s'entretenir avec les autorités politiques, préfectorales et traditionnelles libériennes. Ce conclave du Grand Ouest, décidé lors d'une réunion quadripartite qui s'est tenue le 5 avril dernier à Monrovia au Libéria, entre les représentants des gouvernements du Libéria et de la Côte d'Ivoire, la mission des Nations Unies au Libéria et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, est l'occasion pour les deux parties de se rapprocher pour asseoir des points de vue communs sur les questions humanitaires, sécuritaires et également de justice pour une paix définitive le long de la frontière entre les deux pays. Et encore 50 000 exilés ivoiriens au Libéria. La rencontre quadripartite Côte d'Ivoire-Libéria-ONUSI-MINUL s'ouvre donc aujourd'hui et ce sera en présence du président Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan depuis ce matin. Le chef de l'État, qui vous le savez, a inauguré des bus électriques offerts à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par le groupe Bolloré. Ces bus sont l'illustration des nombreuses opportunités qu'offre aujourd'hui l'énergie solaire. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'alimentation. La célébration officielle s'est à Boisflay. La durabilité de la production alimentaire est au cœur de cette célébration. Le circuit de distribution avec Noël Nyanyo. Pas chez Gourou Dagame, les vivres sont au rendez-vous. C'est la bonne période. Du mois de août jusqu'à dans le mois de septembre, il y a la nourriture en Côte d'Ivoire. Parce que quand le riz sort, la banane sort, l'igname, en tout cas, il y a beaucoup de vivres en Côte d'Ivoire et la nourriture ne manque pas. Seulement voilà, le coût d'un arrêt alimentaire est resté élevé malgré l'abondance. Les consommatrices s'interrogent. Aujourd'hui, là, je suis venu jusqu'à le marché. J'ai fait, je me retrouve avec une somme de 1 000 francs. J'imagine comment je vais faire et payer le transport et partir. Tout est cher et c'est très, très dur. Au départ, ils nous ont dit que ce sont les barrages qui faisaient qu'à force de payer sur la route, arriver ici, les barrages deviennent plus chers. Mais aujourd'hui, on a dit que les barrages ont diminué. Une des raisons de la surenchère, le transport. Les pistes sont généralement de mauvaise qualité. Les camions ont du mal à arriver au lieu de groupage des produits bourgeois. Et à partir de ce moment-là, eh bien, la négociation du prix entre le commerçant et le transporteur va aller très vite à l'avantage du transporteur. Le transport coûte très cher. Pour qu'une femme puisse envoyer sa production sur Abidjan, elle peut payer par mois 400 000 par mois, 1 million. Dans le transport. Exemple comme ça pour ceux-mêmes qui emmènent de l'oignon du Niger. Exemple quand le transport peut coûter 2 500 000, 2 700 000. L'OCPV, l'Office de commercialisation des produits vivriers, s'attelle à trouver une piste de solution à cet état des faits. On peut avoir de la quantité, on peut avoir de la qualité, mais si on n'a pas un prix qui est accessible, malheureusement les ménages ne peuvent pas s'approvisionner. On a besoin de retravailler avec bien évidemment les coopératives pour revisiter toute la structure de prix de sorte à ce que les produits arrivent à des prix accessibles aux ménages. La sécurité alimentaire est certainement à ses prix. La durabilité des systèmes de production, l'actualité 2013 de la Journée internationale de l'alimentation va se structurer à Boisflay dès ce samedi 19 octobre. En plus des décisions déjà prises,
par le gouvernement avec le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Et hors de la Côte d'Ivoire, en Guinée, le parti au pouvoir et ses alliés ont remporté les législatives du 28 septembre, selon les résultats publiés vendredi soir à Conakry par la commission électorale et aussitôt rejetés par l'opposition qui les a jugés irréalistes. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, 13h.